Bonjour John, merci de nous rendre visite et de te prêter à cet entretien pour illustrer les quelques 50 ans du département de maths. Alors, il n'y a pas de questions standard, mais peut-être au début, tu peux, en retraçant un peu de ta formation en mathématiques, nous dire comment tu es arrivé en France et ensuite à Orsay. Alors, oui, j'ai des très, très bons souvenirs de ma venue en France, que j'avais eu trop d'enseignements à l'université de Cambridge avec mon poste actuel, et donc je cherchais un poste où je pourrais travailler effectivement, et Poitou a proposé de venir à Orsay. Et parce que j'ai connu déjà les gens comme Michel Reynaud ici, et que je savais que c'était une communauté mathématique très, surtout en arithmétique, très favorable à Paris, je suis venu. Et c'était un temps merveilleux, je dois dire que. C'est Poitou qui t'a demandé formellement. C'est Poitou qui avait organisé la chose totalement, Je oui. crois que tu étais l'un des premiers étrangers à devenir professeur à l'université française. Je crois, c'est vrai, qu'il y avait aussi, il y avait deux de nous qui sont, c'est terrible, j'oublie les noms maintenant, mais deux gens d'Orsay, qui était parmi les premiers, je crois, élus, c'est vrai. Et à ce moment-là, j'ai l'impression que c'était juste plusieurs mathématiciens qui étaient les seuls nommés. C'était peut-être plus facile, parce qu'on n'a Oui, pas à c'est déplacer un peut-être oui. laboratoire entier, c'est vrai. Je dois dire que comme conséquence, je crois que c'était beaucoup plus facile pour nous au début que pour les gens un peu plus tard, parce que le système a été un peu flexible, je crois, pour les premiers, oui. Et à part les croissants et la douceur de vivre, qu'est-ce qui t'a attiré particulièrement en France et singulièrement à Orsay? Je crois que c'était surtout le fait que Paris était un grand centre de mathématiques. Aussi, j'ai appris le français à l'école. J'avais passé une année à l'école normale et c'était tout. Parce que j'ai voulu être en Europe. C'est vrai à cette époque que il aurait été possible pour moi de revenir aux États-Unis, mais j'ai beaucoup aimé l'idée de rester en Europe. Et à Orsay, donc tu t'es manifestement intégré très vite et tu as pris des responsabilités rapidement au sein de l'équipe, du département, de. Oui, un peu, mais tu vois, c'est un peu créé parce que c'était une situation assez remarquable dans le département et en France à cette époque. Dans le département, il y avait un groupe d'hommes très éclairés, plus âgés. Je pense de Poitou, de Cahan, mais aussi de Néron, par exemple, et Samuel. Et ils étaient éclairés dans beaucoup de sens, mais un des sens était que la prochaine génération doit recruter la prochaine génération après eux. Je crois que c'était beaucoup plus difficile, cette discussion entre les générations à Jussieu à cette époque, par exemple. C'est vrai. Mais en plus, c'est vrai que chaque fois que nous avons eu un poste ouvert, il y avait des jeunes gens de très haut niveau, par exemple toi, Guy, J'étais pas le mais seul. non, mais c'est vrai qu'il était possible de recruter. Et donc c'était remarquable. Aussi, il y avait beaucoup de postes. Oui, c'est vrai, à cette époque-là, Par exemple, à Cambridge, où j'étais avant, c'était
il y avait beaucoup moins de possibilités de recrutement. C'était un département beaucoup plus petit. Je dois dire que pour nous, les jeunes, là, à cette époque-là, de voir ton influence et celle de Michel Waldschmidt, je dirais aussi, par exemple au séminaire anciennement DPP, c'était très vivifiant. Il y avait aussi le démarrage des formes automorphes. Oui, exactement. Oui. Après oui. Godemont, là, Gérardin oui. Labesse, c'était une période assez... Non, c'est sans doute, c'était une période remarquable pour l'arithmétique à Paris. Et je crois sans aucun doute que Paris était un centre. Il y avait beaucoup plus de monde dans les diverses universités parisiennes en arithmétique. Peut-être à Moscou, un peu avant, c'était comme ça, mais. Paris était beaucoup plus grande qu'ailleurs. Est-ce que tu as eu des liens avec l'IHES? Est-ce que tu as assisté à des séminaires de Grothendieck, par exemple? Quand je suis venu en France la première fois, j'ai assisté pour peut-être un semestre sur les exposés de Grothendieck, sur la cohomologie cristalline et les conjectures standards. Mais le problème pour moi à cette époque est que je n'ai pas eu beaucoup de fondations en géométrie algébrique et surtout ces idées. Et donc c'était très difficile pour moi de commencer à faire la recherche dans ce sens. Oui, tu es plus en fait arithméticien que géomètre. Je crois que c'est vrai, Guy. Oui, oui. Oui. Oui, parce que j'étais en Australie, j'avais commencé avec Mahler, d'accord. Qui était un arithméticien très intéressant, mais d'un esprit totalement différent. Il était bien sûr de l'école allemande, mais bien sûr un peu lié aussi avec les formes automorphes, mais aussi avec les nombres transcendants, les choses comme ça. Et aussi l'analyse piadique. Il était un des fondateurs de l'analyse piadique. Et qu'est-ce que tu dirais qu'a été ton influence sur l'équipe une fois arrivé? Non, mais je crois que pendant que j'étais là, tu as été nommé et bien sûr Laurent. Et Étienne Fouvry. Oui. C'était les trois gens. Mmh. Et c'était ça parfait. Ça s'est bien passé. Malheureusement, nous partons bientôt. Non, mais c'était remarquable. Et j'ai des bons souvenirs que chaque fois que nous avons fait un recrutement à cette époque, c'était universellement accepté par l'équipe et par le département. Oui. C'était dans ce sens que je crois que l'atmosphère scientifique dans le département était vraiment excellente. Ouais. Le meilleur que j'ai jamais rencontré, en fait. Je crois que c'était aussi reconnu par les autres universités que nous faisions des recrutements adéquats, disons. Je crois que c'est vrai. Et aussi, nous avons eu des très bonnes relations avec les gens de l'analyse. Oui. Essentiellement, le département, il y avait un groupe de gens en mathématiques appliquées, mais surtout les EDP et l'analyse harmonique dans une partie et l'arithmétique dans l'autre, et géométrie algébrique. Il y avait des très bonnes relations. C'était facile peut-être parce que nous savons qu'il y avait beaucoup de postes aussi, à remplir pour... peut-être 10 ans, tu vois. Donc, et les relations avec l'université et la faculté, tu es intervenu, tu as fait partie de conseils ou... Juste, tu sais, au début, quand je suis venu à Orsay, les recrutements étaient faits par une réunion inofficielle, universelle du département de mathématiques. Mm-hmm. Tout le monde parlait, discutait et tout ça. Et après,
je crois, nous avons tous signé un papier, mais c'était tout à fait inofficiel. Mais après, il y avait quelques, peut-être, problèmes, questions administratives qui sont arrivées. Et après ça, l'université, peut-être, et le département avaient décidé d'avoir une commission de spécialistes légales qui... Est-ce que tu l'as présidé? Pour un certain temps, oui, peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Mais, en fait, c'était juste... c'est vrai que nous avons eu des réunions légales, avec un vote légal et toutes les formalités comme ça, mais quand même, c'était... les élections ont été faites dans le même esprit. Oui. J'avais décidé de laisser Cambridge parce que j'avais eu trop de tâches d'enseignement là. J'étais dans une situation un peu plus bas à cette époque. Et j'ai voulu venir en Europe. Et j'avais pensé peut-être d'aller à Göttingen parce qu'il y avait un poste là. Et je crois que j'ai rencontré Poitou. Peut-être c'était les journées arithmétiques et je parlais de ça. Et il dit, peut-être je peux faire quelque chose à Auxey. Oui. Et pour moi, c'était bien parce que je parlais un peu le français et j'ai connu Michel et Luc, Michel Reynaud et Luc Elizy. Donc c'était beaucoup plus facile de m'intégrer dans un certain sens. Je crois que Poitou vraiment était persuadé qu'il fallait très vite préparer l'avènement de jeunes, et pas forcément uniquement en France, qu'il fallait aussi regarder ailleurs à l'étranger. C'est vrai, oui, c'était un homme remarquable dans ce sens, oui. Et on a continué quand même pendant longtemps à bien prospecter, y compris à l'étranger, avant de prendre des décisions de recrutement. C'est sans doute vrai, oui, absolument. C'est une tradition qui remonte à loin. Et d'ailleurs, bon, je me rappelle que c'est toi qui m'as demandé d'être candidat. Quelque chose, Guy, il faut que tu sois candidat. J'ai dit oui, John. Est-ce que tu étais déjà parti ou à l'école normale quand on a parlé du troisième étage de ce bâtiment? Oui, parce que c'est Poitou qui, bien sûr, qui est devenu directeur de l'école normale. Et puis, il t'avait demandé, Guy, d'être directeur de mathématiques. Et tu... J'étais bien jeune encore. Donc, quand tu as refusé, il m'avait demandé. Un bien meilleur choix. C'était très tentant, tu vois. Ouais. Et donc... Mais j'avais bien sûr, clairement, en y allant, j'ai pensé que c'était pour 5 ans ou 10 ans au maximum, tu vois. Et c'était bien, mais sauf peut-être 6 mois après, j'étais à l'école normale, Frank Adams me téléphonait de Cambridge pour dire que Castles va prendre sa retraite et il a voulu que je prenne la chaire. Et c'était très, très difficile de refuser dans ce sens. Pour parler brièvement, mais à l'école normale, c'était intéressant pour toi, qui n'étais pas normalien, même si tu y avais passé une année, de te retrouver à la tête du département. Non, mais c'était... De toute façon, j'avais déjà Poitou à côté. Oui. Qui connaît très bien tout le système. Et j'ai vu aussi en arithmétique, et même pas uniquement en arithmétique, combien l'école a contribué aux mathématiques françaises et mondiales. Si tu veux, dans ce sens, c'était assez facile. C'est vrai qu'il y avait des changements, mais ça, c'était déjà en place, que le système de magistère avait commencé peut-être un an avant, ou quelque chose comme ça. Mais
de toute façon, tout était en place. Pour moi, c'était facile. Et aussi, c'était... Je n'ai pas su ça quand je suis venu, mais le problème de meilleurs bâtiments... Oui. Le problème universel se posait mais c'était Michel Brouet, mon successeur, qui a été forcé de... Mais curieusement, quand je suis allé à Cambridge, j'étais assez vite confronté avec le même problème. Donc je... Oui, c'est vrai qu'à Cambridge, tu as beaucoup bâti aussi. Et de Cambridge, après, alors une fois là, tu as quand même conservé un œil sur Orsay. Enfin, comment tu vois le département et son évolution depuis que tu es parti? Mais je crois que l'évolution a été tout à fait dans ce sentier remarquable de... qui était déjà clair quand j'étais... Non, je Est-ce crois. Que tu es... Et c'est surtout l'atmosphère scientifique de Orsay, mathématique, qui a été remarquable, Guy. Par exemple, à Cambridge, j'ai eu beaucoup plus de difficultés pour convaincre les gens pour les questions scientifiques. Oui. Est-ce que tu étais présent quand l'équipe de topologie, par exemple, a pris le tournant d'aller plutôt vers les systèmes dynamiques que vers la topologie algébrique, qui était une de ses grandes forces auparavant? Mais dans un certain sens, oui, parce que nous avons recruté... Yokos, qui était clairement de haut niveau, et Douadij était déjà là, déjà très intéressé dans cette situation. Et il y avait bien sûr les gens comme Moser et tout ça qui poussaient beaucoup pour l'agrandissement de cette discipline. Donc ça sûrement avait commencé à ce moment-là, tu vois. Parce que moi, j'ai l'impression, moi, que c'est vraiment un très bon exemple d'évolution thématique qui est décidée de manière consensuelle à l'intérieur d'un département et qui a un grand succès, quoi. C'était, non, c'est vrai. Après, il y a eu la théorie géométrique des groupes et aussi succès en topologie. Oui. Ah, alors peut-être plus généralement, comment, ça c'est la question, comment vois-tu l'arithmétique et la géométrie algébrique et leur évolution ces derniers temps? Et qu'est-ce que tu penses de la démonstration de la conjecture ABC par Mochizuki, ou prétendue démonstration? Mais tu vois, je suis très conservatif quand c'est une question d'avoir une démonstration. Et je crois que pour le moment, nous n'avons pas de démonstration suffisante. Peut-être ça va venir, je ne sais pas. Oui. Il y a un autre aspect de la conjecture ABC qui est, si tu veux, différente, à mon avis, pour l'arithmétique. Je crois que pour les grands problèmes en arithmétique, il faut les tester numériquement. Et c'est tout à fait vrai pour la conjecture de Riemann, pour bien sûr la conjecture de Birch et Swinnerton-Dyer, l'exemple peut-être le plus étudié et le plus célèbre de ce point de vue. Mais la conjecture ABC, on ne peut pas tester numériquement. C'est vrai. Donc, personnellement, j'aurais été beaucoup plus content que les gens disent plutôt que nous avons peut-être des espoirs à long terme. Par exemple, Grothendieck, je dois dire, était strictement, lui aussi, avec des grandes idées pour résoudre des problèmes. Par exemple, les conjectures de Weil. Quand j'étais ici en 66-67, il rêvait de démontrer les choses comme la conjecture de Weil, mais il était absolument strict. Il disait, j'ai des idées, il faut les développer, je ne sais pas si ça, c'est une démonstration encore. Et,
Je crois que nous devons retrouver cet esprit. J'ai tendance à être d'accord avec toi, John. Mais c'était un jeune département avec les fondateurs très éclairés. Et je crois que tout était en place. C'était déjà un des meilleurs départements du monde, je crois. Mais surtout dans la situation parisienne, parce que les mathématiques françaises avaient eu une étendue et immense. L'école de 4 ans et tous les gens qui ont passé par ça, dont évidemment en arithmétique c'était Serre, mais donc Paris était un grand centre pour la recherche en mathématiques, peut-être le centre le plus important du monde. Et je crois qu'à cette époque, Orsay était uniquement placé pour bâtir une nouvelle génération sur cette partie de très haut niveau actuellement à Paris. Et il n'y avait pas de difficulté de génération à Orsay, mais je ne veux pas critiquer, je suis sûr, mais je crois qu'il y avait des difficultés de génération. Je crois qu'il y avait moins de lutte interne à Orsay, peut-être parce que c'était un département plus jeune. Il n'y avait pas de lutte interne. Ouais. Pas du tout, non. Ouais. Non, c'était remarquable de ce point de vue. Je crois que Caran, Denis, mais aussi Poitou qui était la partie arithmétique, mais Pierre Samuel était aussi, c'était un algébriste, géométrie algébrique. Tout le monde participait dans cette visite, et Néron. Et en fait, tous ces gens étaient encore participés dans les séminaires et nous enseignaient ensemble. Je dois dire qu'il y avait un changement, un grand changement quand j'étais à Orsay, qui avait quand même eu des échos long terme, à mon avis, qui était quand je suis arrivé, le service normal d'un professeur était, nous faisons un cours d'un semestre du premier cycle ou peut-être du deuxième cycle et un cours de troisième cycle. Donc c'était vraiment des tâches. Bien sûr, le cours de troisième cycle est essentiellement vers la recherche, de toute façon. Mais c'était des tâches d'enseignement très, très bien pour la recherche. Mais avec l'arrivée du nouveau gouvernement sur la gauche de Mitterrand, il y avait assez brutalement une augmentation. Des horaires d'enseignement pour les professeurs. Bien sûr, une raison pour ça était peut-être il disait que ça va garantir des années sabbatiques pour tout le monde. Mais en fait, dans le système ancien, parce qu'il y avait assez de postes à Orsay, tout le monde partait pour les congrès et les choses comme ça, quand c'était nécessaire d'organiser un peu, peut-être échanger des heures avec un autre collègue. Donc tout était était essentiellement organisé dans le département uniquement vers la recherche et les bonnes conditions de travail. Oui. Je pensais aussi que dans le développement du département, le fait que Poitou et Caan étaient très actifs au niveau de l'université, voire aussi au niveau national, a pu aider. Aussi. C'est vrai. Ouais. Bon, pour moi, c'était un accident heureux, dans le sens que j'étais un enfant sur une ferme en Australie. Et
je suis allé au lycée, il fallait peut-être aller 20 kilomètres pour aller au lycée dans la ville, la prochaine ville. Donc je n'ai jamais eu le moindre idée qu'il y avait même des mathématiciens professionnels. Oui. Mais après lycée, j'avais eu de la chance que Robert Menzies était le premier ministre de l'Australie. Et il était le seul premier ministre qui avait vraiment cru dans l'importance des universités. Et surtout dans l'université à Canberra, qu'il avait décidé de... À cette époque, c'était juste une université de recherche. Ah oui. Mais il avait décidé qu'il c'était absolument nécessaire pour eux de prendre des undergraduates. D'accord. Et donc j'ai eu une bourse. Il donnait des bourses généreuses pour les gens d'aller à cette université. Et en arrivant à cette université, j'ai eu la chance. J'avais cru peut-être de faire la physique, mais les cours de physique étaient mauvais. Et j'ai eu des cours de mathématiques. Par exemple, Mahler me donnait un cours d'arithmétique dans la première année. Oui, impressionnant. D'accord. Mais je crois que c'est assez général. Enfin, beaucoup de mathématiciens, du moins ceux dont les parents ne sont pas mathématiciens, ont découvert assez tard que c'était possible de gagner sa vie en étant oui. mathématicien. Ce n'est pas quelque chose qu'on imagine quand on est jeune. Non, on est content de faire des mathématiques, mais on ne pense pas que ça va... Oui. faire une carrière très dynamique. Non, aujourd'hui, les mathématiques sont... L'étendue des mathématiques est immense dans les autres sciences maintenant. Ouais. Je sais même à Cambridge, il y a 20 ans, j'ai reçu un jour, parce que l'université de Cambridge maintenant pousse énormément l'étude de la biologie et les sciences médicales. Et un des chefs de ce grand campus biologique est venu me voir, parce que j'étais chef du département à Cambridge, en mathématiques pures. Il me disait, nous avons absolument besoin d'étudiants entraînés en mathématiques pour les études de la recherche, pour faire la recherche en biologie. Oui. Pour nous, c'est sans aucune importance s'ils n'ont aucune connaissance biologique. Et ça, c'est un exemple de le besoin total de... Je crois que ça reste vrai encore. Parce que dans les autres disciplines, je crois que c'est possible de gagner les connaissances nécessaires à peut-être n'importe quel moment si on est jeune. Mais pour les mathématiciens, il faut des bonnes fondations pour jamais être capable de penser un peu rigoureusement et tout ça, oui.